Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ACNL. Du coup je vais vous montrer comment avoir des fleurs hybrides. Alors c'est pas en mettant deux roses blanches l'une à côté de l'autre qu'après vous aurez une rose violette. Non, c'est pas comme ça, je vous assure. Ça se passe pas aussi facilement, c'est pour ça que je me suis posé la question. Pourquoi? Attends, j'ai répondu à ma question de l'autre vidéo que j'avais mis en ligne, je crois que c'était dans l'autre vidéo. Pourquoi là je ne reçois pas de rose au lieu que j'ai avancé de un jour, voilà, à cause de voilà. Alors non, c'est pas parce qu'ils sont trop, non, c'est pas à cause de ça. C'est parce que ça, ce n'est pas une rose pure et ça, ce n'est pas une rose sauvage. Ou vice versa. Et oui, c'est comme pour avoir une rose bleue avec ces quatre fleurs, c'est la même chose. Il vous faut alors une rose blanche pure. C'est-à-dire une qui sort du magasin, la planter. Ensuite, il vous faut une rose blanche sauvage, c'est-à-dire une comme ça. Parce que celle-là, elle a été donnée celle-là, du coup elle c'est une sauvage. Ok? Ça a merdé. Ok? Comme là. Hier j'avais une rose noire et le lendemain j'en avais une ici. C'était celle-ci. Vous voyez? Comme ici, les seules fleurs qui ne peuvent pas se reproduire, c'est les roses d'or. Après celle-là, je crois que je vais essayer de la faire reproduire la rose bleue. Ensuite, ce que je vous propose de faire avec des fleurs, une jolie déco, c'est avec les taupilières. Alors moi, c'est une taupilière tulipe. Du coup, je me suis dit, je vais mettre plein de tulipes à côté. Ça va faire super joli. Alors ça rend super bien, vous voyez. Ça rend super bien la déco. En plus, avec plein de bambous, je trouve ça très exotique. Ensuite, les œillets. Alors les œillets, je les ai placés un dans l'enclos, dans la clôture, le seul rouge que j'avais, parce que pour moi il est précieux. Là j'ai un rose, et j'en ai encore un rose sur moi je crois. Donc j'ai un œillet rouge. Ils ont pété un câble. Et j'ai une œillet rouge. Du coup le œillet rouge, je sais pas où je vais le mettre. Je crois que je vais le mettre ici. Hop. Et j'ai une fleur Jacob. J'en ai deux, je crois. Voilà. Du coup, je sais pas où aller mon autre fleur Jacob. Je l'ai mis où? Attendez, ça me tracasse. Je l'ai mis où? Ah, il est dans l'enclos, ouais. Du coup, voilà. Du coup, la fleur Jacob, je crois que je vais en mettre une. Bah, à la place de ces deux-là, les deux fleurs Jacob, je crois que je vais essayer d'en avoir une autre fleur Jacob. Ah putain, ne te mets pas là, tu vas te faire scrabouiller. Je te mets ici. Bien. C'est très bien, fleur Jacob. Et je vais demander ici. Qui a fleur Jacob? Bien, je vais vous donner quelques codes oniriques à visiter. On commence tout de suite. Alors moi je regarde les réponses en même temps. Alors nous avons Muserie Rose, un code onirique à regarder. Je vous invite à aller voir, sa vie est très très belle. Moi pourquoi? Tu peux me la passer s'il te plaît? Tu en as combien? Je vais lui demander, tu en as combien? On va lui demander comme ça parce que j'en veux. J'en ai à tout prix besoin d'une pour ce que ça fait stylé. Parce que si je mets une fleur Jacob et l'autre qui est dans la clôture ici et qu'on me casse les deux, bah j'en aurai plus au lieu que dans la clôture. Hein, mais c'est cadeau. Ah, il m'en faut une. Je vais demander à ma rose parce qu'elle en a. Oui, en fait, cette vidéo, je vais l'appeler le blabla. Du coup, voilà. Alors, on continue. Elle n'en a pas.
Elle en a un. Alors, voilà, elle en avait un. Elle le cache, je sais pourquoi, mais je ne vais pas vous dire. Elle ne vous dirait pas trop d'aller dans sa ville, hein, parce qu'elle est vraiment pas très très belle. Des ailes roses pour les bugs. Hop. Ma robe. C'était ma robe. D'où elle a ma robe? Oh, tu prends pour qui de prendre ma robe? Et dans Revends tes ressources. Hein. Elle, je vous conseille vraiment d'aller voir sa ville. Elle est magnifique. Ou de la bugger, ou de la hacker, de la prendre. Je vous conseille. Ok. STP. Oh. Qui a fleur Jacob? Bien, alors je vais vous donner dans la prochaine vidéo quelques idées déco. Oui, parce que tout le monde m'a demandé de faire des idées déco. Ouais, donc je ferai des idées déco. Hein. Ça sera dans la prochaine vidéo Animal Crossing. Hein. Du coup, je vous laisse encore les petits messages de tu m'en passes une et tu m'en passes une. Alors je vais encore vous donner des idées déco pour les arbres, comment faire et tout. Pour moi c'est un peu le bazar. Du coup, travaux ville, on fera ça une autre fois. Les travaux dans la ville quoi. Parce que ça, vous voyez, ça c'est juste magnifique les forêts. Ça je vous conseille vivement d'en faire, des forêts. Plus tard. Il m'en faut une maintenant. On se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, mets un j'aime. Allez, ciao, dédicace à Kitty.